aujourd'hui, après la réunion que vous avez eue à Porte Vizière par rapport à ce projet pour 2027. On peut dire vraiment mon sentiment. Excusez-moi un instant. Vraiment, mon sentiment est vraiment, mon cœur est gros. Quand je suis arrivé ici, je vois que vraiment vous êtes sur la bonne route pour organiser ce jeu de 2027. Donc, tous les affectueux de visiter plusieurs sites. Donc, je suis vraiment content que comment va organiser le plus grand jeu du Saint-Étienne. Donc, je souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance. Jacques-Claude, au Comore. Ok, une seconde question, s'il vous plaît. Je l'adresse à M. Anthony Copal, ex-président du TIG. Les Comores, pour la première fois que je sache, a reçu le drapeau des Jeux. Estimez-vous, par rapport aux échanges et entretiens que vous avez eu à faire avec les autorités comoriennes, sportives comme politiques, estimez-vous que les Comores sont sur le bon chemin, les bons rails pour organiser effectivement les Jeux des îles, les deuxièmes Jeux en 2027 sur place? Merci pour votre question, monsieur. Bien que je suis arrivé ici, même avant d'arriver ici, on a des communications et j'étais très content parce que je vois que vous avez pris les choses en main forte. Je mentionne hier à monsieur le président du comité olympique du Comore, le ministre, que pour moi les Comores est le premier qui agit de sa politique qui a accueilli les Jeux. Parce que souvent pas, quand les autres îles ils ont le jeu, ils prennent du temps. Quelques mois après, ils prennent peut-être 6 mois, même presque un an, de convoquer la première réunion. Et le Comore a fait ça bien avant. Je suis content. Ça montre qu'ils sont sur la bonne voie. Et j'étais ici 6 ans passés pour visiter les sites. Et aussi, je vois que vous avez bien débrouillé pour mettre en masse tous les nécessaires pour avoir une bonne voie. Et puis j'ai salué le président de la République pour, quand il a mentionné qu'il voulait faire siéger le meilleur jeu de l'océan. Et ça montre que la volonté est là. Et merci bien, mais je ne sais pas si j'ai pu répondre. Merci. Merci. D'autres questions? Oui. Souleymane Ibrahim Moziko, Al Comoria et Radio Jabal FM. J'ai deux questions. Moi, je voulais savoir, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait 2 réunions. Je voulais savoir comment est-ce que les réunions sont bien passées. Vous avez aussi fait le bilan des Jeux des îles de 2023 à Madagascar, 11e jeu. Le 12e jeu, ça sera ici, Inch'Allah. J'aimerais savoir les leçons ou bien ce que vous avez tiré pour que le 12e jeu de l'Océan Indien, ici au Comore, sera un succès par rapport à ce que vous avez dit. On a vraiment organisé un jeu pour donner à un pays. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut étudier le cahier des choses pour lui donner ce jeu. Donc moi, j'ai confiance en les Comores et qu'ils peuvent organiser ce jeu avec succès. Donc c'est pour ça que le TIG a donné ce jeu-là à
comment, j'en suis sûr que le comment va organiser ce jeu avec succès. Quelles sont les garanties que le gouvernement comorien vous a données pour que vous avancez des propos ou bien des réponses exactes qui confirment que les Comores vont réaliser le jeu, puisque ce n'est pas la première fois, c'est la seconde fois que les Comores ont fait cette propagande. Ce que je vois, que le gouvernement, cette fois-ci, le gouvernement est vraiment très appliqué, très concerné. C'est pour ça que j'ai confiance au Comores, avec le gouvernement, avec le CNE. Donc, vraiment, on a bien étudié pour donner ce jeu au Comores. Et cette fois-ci, c'est vraiment nous, au KIJ, on va l'accompagner, on va aider où il faut pour faire de ce jeu un grand jeu. Donc, c'est un peu différent. Le KIJ d'aujourd'hui, c'est différent, pas comme avant. Le KIJ d'aujourd'hui, et nous sommes vraiment comme une famille maintenant. Une famille très, 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 très serrée. Maintenant, c'est en même temps, j'ai confiance avec le CNO en qualité de M. Ibrahim. Je l'ai rencontré. Donc, j'ai confiance en lui avec son gouvernement. Donc, c'est pour ça que nous avons confiance avec le gouvernement. Et nous, tous les membres, de la Réunion, tous les membres du KIJ, nous allons aider. Avec toutes nos expériences que nous avons gagnées dans le passé, on va aider comment pour ce jeu-là de 2027. Quelqu'un d'autre, tu as déjà posé la question. Oui, et ma question, je l'adresse à vous, monsieur en tant que un responsable de l'île d'Igrazia, parce que je veux que vous présenter comme le gouvernement de l'île, et de deux, en tant que président du Sénat comorien. Quelles sont là présentement vos impressions par rapport aux déclarations de M. Philippe et celle de M. Gopal, signifiant ou confirmant votre détermination d'organiser ce genre de budget, vous personnellement en tant qu'autorité politique et sportive. Merci beaucoup. Je vais répondre tout d'abord pour mieux cerner les choses. Moi, je suis là en tant que président du comité olympique des Comores et non en tant que gouverneur élu. Certes, j'aurai des responsabilités politiques après, mais maintenant je ne les ai pas. Je parle au nom du président du comité olympique. Là, je peux vous dire ce qu'a dit le président sortant du KIJ et le nouveau président du KIJ, ce qu'ils ont dit, mais aussi mes collègues qui sont là. En tout cas, ils sont tous déterminés à nous accompagner, pour réaliser ce rêve, pour le prêter ce moment. Mais en tout cas, il faut savoir que la détermination aussi bien au niveau du comité olympique des Comores, mais aussi au niveau du gouvernement comorien, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani. Vous le savez tous, mais si on était parti chercher le drapeau, c'est parce que les autorités se sont engagées et ils nous ont soutenus. Parce que ce n'est pas le CNO comorien qui construit des infrastructures, ce n'est pas le CNO qui... Mais bon, tout revient à l'État. Donc, je crois que, comme ils ont dit, ils ont rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports, ils auront l'occasion de rencontrer aussi le chef de l'État, je crois, avant leur départ. Et ils ont mesuré, ils ont pu constater la détermination des autorités comoriennes, mais aussi le mouvement sportif et le mouvement olympique. Mais une chose à préciser, pour vous dire que si on veut que ces Jeux réussissent, à part l'accompagnement de nos amis, de nos collègues, de nos pays, des pays amis,
il faudrait aussi surtout l'adhésion de la population comorienne. Il faut savoir que si la population n'est pas informée, si la population n'est pas impliquée, si la population ne s'intéresse pas à ces jeux, on ne peut pas le réussir. Donc moi je tiens tout d'abord, puisque vous me donnez l'opportunité, de faire appel, un appel solennel à toute la jeunesse, bien sûr, mais à toute la population comorienne, quel que soit le rang, la catégorie. Parce que nous devons réussir. On n'a pas droit à l'erreur, on ne doit pas décevoir, on doit pas décevoir nos amis, on ne doit pas décevoir la famille de l'océan Indien. Donc on doit organiser cette fois-ci ces jeux et tout le monde est sollicité. Tout le monde est sollicité, que ce soit au niveau politique, sportif, mais aussi dans tous les domaines. Parce que les Jeux des îles, les Jeux qui seront organisés en 2027, ce n'est pas seulement sportif, mais ça peut avoir aussi un impact économique, un impact social. Et je crois que les gens vont se rendre compte en 2027 ou en 2028, lorsqu'on aura fini ces Jeux. Donc encore une fois, maintenant en tant que président du CNO, mais je crois dans 3 mois, 4 mois, si je deviens, je prends mes responsabilités politiques, je crois que ça va encore donner un plus, un soutien politique fort, puisque je serai à côté du chef de l'État et on va travailler pour la réussite de ces jeux. Merci. Merci. Une dernière question. Une dernière, hein, oui. On va arrêter. Et je m'adresse particulièrement aux Zouti Malagas, étant donné qu'il vient du pays, le dernier pays organisateur de GDC. Quel conseil, j'espère bien que vous étiez de la délégation qui a eu à faire la visite hier dans cette île. Et par rapport à cela, quel conseil pourriez-vous donner aujourd'hui aux Comores, aux Comoriens, aux COSIC, aux Sénat Comoriens pour pouvoir organiser, comme ça se dit, les JOI 2027 dans notre pays? Merci pour la question. C'est vrai que nous venons d'organiser le Jeux des îles à Madagascar. Maintenant, ce qui compte pour vous, c'est tout d'abord c'est la volonté politique du gouvernement pour organiser les Jeux. Sinon, il n'y aura pas de Jeux. S'il n'y a pas la volonté politique du gouvernement, il n'y aura pas de Jeux. Donc voilà, quand le gouvernement décide à organiser les Jeux, je crois que c'est une bonne solution. S'il vous plaît, Monsieur le Président, juste, parce que je voulais savoir si c'est possible, nous donner les disciplines retenues, si c'est possible, pour les 12e Jeux ici au Comores. Les disciplines retenues pour les Jeux. Oui. Là, justement, il y a une liste provisoire. Une liste provisoire, ce n'est pas définitif. Nous, on a débattu vraiment assez longtemps hier, mais on est tombé d'accord que ces 17 disciplines qu'ils ont présentées, peut-être ils vont réduire. De toute façon, le pays organisateur qui va nous communiquer, le PIS, le comité de les disciplines, à ce moment, on va analyser. Mais pas pour la valeur du jour, rien définitif. Ok, merci. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je crois que la conférence de presse a pris fin, va prendre fin. Et au nom du président du PIKI, je tiens à vous et à mes collègues, bien sûr, ici présents. Je tiens à remercier la presse de votre présence, de nous avoir honoré. Je crois que vous allez pouvoir communiquer toutes les informations que vous avez obtenues auprès du président du Kish. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.